Salut à tous, c'est Blanco, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pourquoi tu cries pas? Parce que je cries pas. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, du coup, nouveau concept. C'est un concept très simple, c'est qui me connaît le mieux entre meilleur ami et une abonnée. Bon, j'aime pas le terme de abonné, donc ça va être entre Guillaume et... Chloé. Chloé qui est... La présente-toi. Non. Du coup, j'ai préparé quelques questions. Il y aura des questions sur ma vie, sur mes goûts, sur plein de choses. Et du coup, bah, ils vont devoir écrire sur leur téléphone leurs réponses. Et on verra du coup qui me connaît le mieux. Avant de commencer cette bête de vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Je sens déjà la rivalité entre vous deux. Ok, première question. Quel est mon personnage préféré all time dans les animés? Du coup, mon personnage vraiment préféré, genre vraiment tout animé confondu. C'est très, 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 très simple. Fais pas de dessin, toi. T'es prête? Pas encore? Ok, du coup, mon personnage préféré all time, c'est Sandy. Oh. Attendez! T'as marqué quoi, toi? Je sais pas, moi j'aurais dit celui dans Reborn. Non, t'as mis quoi vraiment? J'ai mis Sandy. Oui, regardez comme il a écrit Sandy. Du coup, ça fait un point pour chacun. Ça va, c'était la question, elle était très très simple. Elle est un peu plus compliquée celle-là. En quelle année j'ai commencé TikTok? Si on connaît, on sait très bien quelle année. C'était en début d'année. C'est bon pour toi? C'est bon pour toi aussi? Ok, j'ai commencé TikTok en 2021. Janvier, bon, j'ai pas besoin du mois, c'est bon, ok? 2021, ok, là c'est serré, là, ok? Janvier, c'était en mars. C'est grâce au Blacko, au Nouvel An, il nous a tous regardé, il nous a dit, on était tous morts, on venait de faire une nuit blanche, il a dit, eh les gars, je commence TikTok. On lui a dit, c'est quelle résolution ça? Du coup, là, ça fait 2 points chacun. On va passer à la troisième question. Quelle est la plus grosse vidéo qui a marché sur YouTube? C'est un peu compliqué en fait. Si t'as pas le nom, tu peux juste te dire ça parle de quoi. C'est bon, tout le monde est prêt? Dans ma tête, pour moi, c'est Loup-Garou SNK. Sauf que, en fait, en repensant, j'ai dit, mais en fait, c'est pas Loup-Garou SNK. C'est Devinité pour toi. Ok, il est chaud. Aïe, 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 aïe. Devine un perso en soi, ça fait partie des vidéos qui marchent le plus. Ça veut dire que tu auras pas mes vidéos, Chloé, en fait. Chloé, tu sais qu'il y aura aucune vidéo. Non, je vais garder qu'une des vidéos. Bon, du coup, là, ça fait 3 pour toi, 2 pour Chloé. Quatrième question. Si j'étais dans MHA, quel serait mon alter? Là, la question, elle est compliquée. Non, mais... Indice, c'est un alter qui est dans la classe. Gros indice. C'est un indice, mais c'est un indice quand même. Oui. Bon, pour moi, l'alter que j'aimerais avoir, c'est l'électricité. L'alter de Shoto. Ah, moi aussi. Non, mais c'est trop simple, l'alter de Shoto. Mais il est nul, son alter, à l'autre, le contrôle même. Non, mais l'électricité, c'est bien, l'électricité. Après, tu peux faire quoi ouais, avec cool. Mais... Mais quoi? Mais l'eau et le feu. Du coup, vous avez toujours 3-2. On passe à la question suivante. Dans Tokyo Revengers, citez-moi 2 de mes personnages préférés. Normalement, c'est la question, elle est simple. C'est moi, je trouve Tokyo Revengers en plus, c'est mid. Du coup, mon personnage préféré, bien évidemment, c'est Anma. Et le deuxième, c'est Mitsuya. T'as mis quoi, toi? Ah. Anma Draken, non. Non. Elle a trouvé Anma et Mitsuya. Du coup, ça fait 3-3. Guillaume, là, il se passe quoi, Guillaume, là? Pourquoi Draken? Parce que, bah, Draken. Tu connais que Draken. Oui. Question suivante. Vrai ou faux? Est-ce que j'ai déjà interviewé la veuve de Goldie Roger? Du coup, en micro-trottoir. Vrai ou faux? Franchement, là, comme vous avez pu voir, j'ai tourné une vidéo avec lui, un loup-garou One Piece qui s'affiche juste là. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir si vous voulez. Ah, contente. Est-ce que tu l'as interviewé? Est-ce que j'ai fait déjà une vidéo avant ou après? Non, trop tard. Ok, c'était mis quoi du coup? Parce que vrai. C'est faux, j'ai pas eu le temps de l'interviewer. Elle a mis quoi? Elle a mis quoi? Du coup, elle a 4 points du coup. Elle a 4 points du coup, t'en as 3, Guillaume. Guillaume, reprends-toi, mon ref. Question suivante. Qui m'a poussé sur les réseaux? Soit ma mère, ma soeur ou mon petit frère? Franchement, là, la question, elle est simple. Si on. En plus, tu l'as dit dans une vidéo. Du coup, la réponse est. Ma soeur. Ok, c'est bon. Question suivante. À l'heure actuelle, combien j'ai d'abonnés sur TikTok? Bon, dites à peu près que 24 différences. Je sais pas moi. Actuellement sur TikTok, j'ai 550 000. Oh! Attends. 540 ou 50 du coup? Attends, comment tu sais que j'ai ça? J'allais mettre 520. Et après, tu m'as dit à 20. Je dis, bon, vas-y, je vais mettre 50 parce qu'il y a plus, il y a moins, tu vois. J'ai mis 550. Franchement, pas mal, hein. Même toi, 550, du non, coup. Ça fait 2 points là. C'est exact. Bah là, j'ai dit 24. Elle l'a gâté là. Bon, du coup, je crois que t'as 5. J'ai 4, elle a 5. Ça valait 2 points. Oh, on n'a pas encore testé le badminton. Oh, question suivante. Est-ce que j'aime les K-dramas? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On a changé la question. Est-ce que j'ai déjà vu des K-dramas?
change la question plutôt. C'est bon? C'est important? La réponse est... J'en ai jamais vu. J'en ai vu zéro. Non, 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 t'as dit que t'avais commencé Squid Game mais que t'avais pas accroché, donc t'as quand même Squid regardé. Squid Game, c'est un cas drama, Squid Game? La prod va chercher l'information. Ok, ça marche. Il a marqué action, mystère, drame, thriller, survival. Ah, du coup, c'est bien vrai, du coup, j'ai déjà vu. Donc ça fait 5 pour Guillaume, 6 pour Chloé. Là, Chloé en tête. Question suivante. Combien de fois je suis allé au cinéma voir Spider-Man No Way Home? Je vais pas donner ma réponse d'abord, juste je le laisse d'abord, je regarde et après je vous dis. Vas-y. Non, faut choisir un truc. Choisis un. Ce que j'allais dire, t'es allé le voir à 8h30, t'es allé le voir le soir même, t'es allé le voir vers mars et t'es allé voir la version longue. Encore plus. Ouais. Plus ? Ouais. Plus ? Oui. Ouais. T'es un malade. T'es un malade. C'est parti. Attends, pourquoi ta réponse ? 7 fois. Je suis allé le voir 7 fois, mec. Je l'ai vu en VF. VEF 3D, VOSTFR 3D, j'ai vu en KDX. En fait, j'ai vu toutes les salles de ciné, du coup, Chloé a 7 points, Guillaume, t'en as 5. Bah c'est la compte totale, Guillaume, là. Mais je traite pas avec quelqu'un qui regarde Spider-Man 8 fois, quand même. La prochaine question, je donne 2 points. Quel personnage d'animé j'ai doublé? Citez au moins genre 3 animes au moins, 3 animes. Attends, laisse-moi 5 secondes. Non, Guillaume, elle a trouvé, elle? Oui. Oui, oui. Pourquoi Guillaume en premier? Moi, j'en ai qu'un seul. Rank of King, IQ, Spy Family. Ok, c'est bon. C'est bon, bon. C'est bon. Attends, là c'est validé pour toi, je vais voir Chloé. J'en ai qu'un seul. Allez, 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 allez. Un point par réponse. Je me rattrape, du coup, il y a 16. Du coup, ça fait 7 du coup. Vrai ou faux, j'ai regardé Reborn 5 fois. Non, t'as vu Spider-Man 7 fois. Ok, vas-y, montre-moi ta réponse. Montre-moi ta réponse. Les amis, actuellement, Guillaume, en plus, hier, j'ai dit à Lucie. Merci Lucie de ton compte ADN. En ce moment, je regarde Reborn. Et c'est parti sur ma 5e fois. 5e fois, mais je suis sûr. Donc là, les amis, ça fait 8, 7 pour Chloé. Là, Guillaume, frérot. J'ai mis au pied. Guillaume. Bah, pour moi, t'es un malade. Avant dernière question, dans l'anime Tokyo Revengers, quel nom m'a été accordé en tant que perso Tokyo Revengers? T'as été un nom qui a été donné par la communauté lors de mes débuts. Comme je fais partie de l'anime, du coup, c'est Black Anma. Ok, ok, c'est bon, là ça va, là c'est bon. C'était simple. Là c'est simple. Là c'est simple. Là, du coup, ça fait 9-8. Du coup, là, les amis, on passe à la dernière question. Et là, je suis gentil, la dernière question, elle vaut 2 points. Donc là, ça veut dire que tu rattrapes. On peut rattraper, dépasser. Ok, cette question, elle est un peu compliquée, mais il fallait voir. Ok, quel est le premier anime que j'ai vu? Là, c'est compliqué. Je l'ai dit en vidéo. Il y a deux animés que j'ai vraiment regardé quand j'étais petit. Vraiment, il y a deux animés. J'accepte. Ça a passé à l'époque sur une chaîne que je citerai pas, qui est très connue, qui existe encore à l'heure actuelle. Ok. Du coup, montre-moi. Ok. Là, j'ai gagné. Ça y est, j'ai gagné. Attendez. Donc, je vais, de base, le premier animé que j'ai regardé, c'est Détective Conan. Mais j'ai accepté Dragon Ball Z. Il y a Dragon Ball. Ah oh mais pour moi ça englobe tout. Reborn, malheureusement Reborn, j'ai vu vraiment après, mais vraiment après qu'on accepte. Est-ce qu'on accepte ou pas du coup pour... on accepte ou pas? Je sais même pas qu'il y a un Dragon Ball, Dragon Ball Z. Je veux dire non. Hein? Du coup là je t'accorde les 2 points. Sauf que, on va dire qu'il y a égalité. Du coup ça fait 10-10. Et là ça va être la question ultime. Là ça va être la question qui va départager. Celui qui remporte cette question a tout gagné. Sur TikTok, quelle a été la vidéo qui a été l'une de mes premières vidéos qui a le plus marché? Genre, j'ai fait quoi dans la vidéo? Vraiment, qui a démarré? Ouais, qui a fait démarrer. Genre, j'avais fait une première vidéo qui a très bien marché, c'était... Sur ta chaîne? J'étais en Miles Morales, mais c'est pas celle-là. Il y a une vidéo vraiment qui m'a ouvert les portes de TikTok Café. Tokyo Revengers n'existait pas encore. Enfin, l'anime n'était pas sorti encore. Ok, montre-toi ta réponse. Ok. Je sais pas si c'est ça. Mais la bonne réponse était imitation du coup, le Sashiborida. Sashiborida, c'était les imitations de voix que je faisais. Wow. Guillaume a remporté, bravo à toi. J'ai dit la montada. Franchement, non, en vrai, mais Chloé méritait aussi de gagner. Parce que comme c'est donné des points de bonus. Donc en vrai. Quel point de bonus? Il y a une question, ça valait 2 points. Pour moi, dans mon cœur, Chloé l'a gagné. Mais pour lui, pour la vidéo, c'est lui qui a gagné. Du coup, les amis, j'espère que vous avez kiffé le concept. Moi, j'ai kiffé ça. Vous avez kiffé? Mais de ouf. J'en apprends. Toujours plus sur lui tous les jours. Okay, voilà. Merci. Si vous avez kiffé le concept, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager et de me dire si toi aussi,
Genre, t'as su répondre aux questions pour voir si je me connaissais bien ou pas. Et aussi, n'oubliez pas aussi de me dire en commentaire si vous souhaitez faire une partie 2 en vrai entre d'autres abonnés qui s'affrontent. Et comme ça, en vrai, il y aura un petit trophée et tout. L'abonné qui me connaîtra le mieux gagnera un petit trophée, quelque chose, un petit cadeau ou une figurine, quelque chose. C'était Jana Blacko.